Alors j'ai appris le Krav Maga il y a 20 ans environ, au sein du club IKMF de Lyon, et ensuite j'ai continué mon apprentissage chez le responsable européen à l'époque, Philippe Kadouche, et Maître Eyal Yanilov. La boxe thaïlandaise, le jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu, l'aïkido, à chaque fois il y avait des limites, ça ne me convenait pas du tout. Et du coup, je recherchais au final quelque chose beaucoup axé sur le mental et l'adaptation, comme le Krav Maga. Don't say darling, cause you'll fake it. Est-ce que vous avez déjà vu ce problème-là? Mais avec l'œil, on peut taper comme ça. Très bien. Et après? Et après, on s'enfuit. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter au final à une situation. Donc s'adapter, c'est pas forcément montrer une belle technique, mais c'est surtout apprendre à se sécuriser. Et se sécuriser, c'est avant tout pouvoir fuir si jamais on a le choix, si on n'a pas le choix d'être violent si besoin. Il y a plein de solutions, et c'est des bonnes solutions ce que vous proposez. Et ce qui est très important, c'est de réagir. Le cerveau commence à réfléchir et puis au final, on ne sait plus quoi faire. Et comme tu dis, on reste bête, on ne sait pas trop quoi faire. Et justement, tous les exercices qu'on fait, vraiment tous les exercices, que ce soit l'échauffement jusqu'à la fin, même ces exercices-là, ont pour seul but de vous former à ne pas rester sidéré. Même si on a un très bon niveau en sport de combat en général, peu importe le sport de combat, on a le risque de la sidération. Très souvent, je prends l'exemple d'une surprise. Voilà, une personne la plus chère au monde vient chez vous à 2h du matin. Donc forcément, on sera surpris, on sera sidéré. Et par conséquent, l'effet de sidération il est beaucoup lié à l'effet de surprise. La ligne directrice de mes cours, c'est de préparer les élèves à éviter la sidération. Que vous pensez à frapper sur le genou, sur l'entrejambe, mordre, mettre un coup de poing dans la tête, tant que vous y réagissez, c'est très bien. On s'adapte à la situation avec les principes de Krav Maga. La position conditionne la technique. C'est un peu comme les règles de maths. On apprend progressivement les règles de maths et ensuite on apprend à jongler avec ces règles et on arrive à résoudre des problèmes. C'est tout simplement un ensemble d'outils qui pourra être utilisé face à plusieurs problèmes. A contrario de technique, une technique pour un problème, là, un principe pourra être efficace sur plusieurs problèmes potentiels. On peut s'éloigner. S'il commence à me saisir le cou, ici, je vais surtout dégager. Je vais m'éloigner avec le bras. Et si j'ai encore moins de temps, je me suis vraiment fait surprendre, il va me saisir, je frappe au parti, je viens là, je frappe et je m'éloigne. Si on vise les yeux, le nez, des parties sensibles, c'est que comme je vous ai dit, on ne peut pas les protéger. Ça. Même s'il est très costaud, si c'est par exemple un voleur d'enfants, même s'il est très costaud, ça lui fera très mal. D'accord? Mais ce n'est pas parce que je lui ai fait mal qu'il va s'arrêter. Donc c'est pour ça que c'est très important après de s'enfuir. Vous savez que j'ai été gendarme avant ou pas? Vous savez ou pas? Ça m'est arrivé de devoir contrôler des personnes vraiment très agressives en appuyant sur les yeux. Ça les a surpris, ils ont été surpris, on a réussi après les contrôler. Dans notre courant de Krav Maga, on parle de switch mental. Le switch mental, c'est comment je passe, surtout pour les civils, d'une situation où je suis paisible, je suis avec mes proches, etc., je suis dans la vie de tous les jours. Et d'un seul coup, je suis agressé et je ne peux pas fuir et je dois faire preuve de violence pour pouvoir sortir de l'agression. Et donc, on parle du switch mental pour la violence. Il faut savoir contrôler aussi également sa violence. On a plusieurs manières d'y arriver, et notamment on a la visualisation, on a le contrôle de la respiration, et effectivement la technique pour pouvoir contrôler cette violence potentielle. On ferme les yeux, on pose les bras sur les jambes, on relâche totalement les épaules. Ferme les yeux. Les sportifs de haut niveau en font, les militaires en font. Ce qui me motive beaucoup à vous l'enseigner, c'est que j'aimerais que vous l'ayez tout le temps en vous, comme un outil que vous garderez en étant adulte et que vous pourrez enseigner autour de vous. C'est vraiment riche de voir ces élèves progresser, notamment des élèves victimes de violences, etc., ou de harcèlement, ou en anticipation, ils viennent
pas par paranoïa, mais simplement se dire bah, potentiellement faire du sport, que ça soit utile pour sa famille, pour soi. Donc ça, c'est vraiment très riche. Et c'est vraiment mon moteur au quotidien quand j'enseigne. On met les mains sur les genoux. On croise les jambes. On ferme les yeux. Et quand je vous dis 1, 2 burpees et combat. 1. Allez, rapide, rapide, burpees. Allez, on n'attend pas, on n'attend pas. Allez, 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 allez. Allez, protège, protège, protège. On met les coups de pied aussi, n'oubliez pas. Another tear just burst.